Étant donné la nature totalement égocentrique de l'homme et son incapacité à communiquer avec autre chose que lui-même, sa conversation, lorsqu'elle ne porte pas sur sa personne, se réduit à un bourdonnement impersonnel, détaché de tout ce qui peut avoir une valeur humaine. L'attentat est une tragédie pour différentes raisons. Pas seulement parce qu'elle manque de tuer Andy Warhol, mais aussi parce que ça la définit à partir de ce moment-là, et pour le restant de ses jours. Plus tard, son éditeur Maurice Girodias dira qu'il n'aurait jamais publié le manifeste si elle n'avait pas tiré sur Andy Warhol. Je pense qu'on croit trop souvent que ça veut dire la société pour tailler les hommes en pièces. Mais ce n'a jamais été l'intention de Valérie. Elle l'a pensé comme un état d'esprit sale, une attitude crasse. Elle pensait au scum comme un mode de vie, une façon de penser. Elle l'adresse aux gens qu'elle appelle les putes, les gouines, les criminels et les folles. C'est pour ces gens-là qu'elle voulait écrire.